Jean-Guy Tony, bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre atelier. Je voulais vous poser quelques questions. Vous nous étonnez par votre précision du geste et votre imaginaire. Racontez-nous un peu pourquoi toutes ces sculptures. La précision vient que j'aime la nature et que je suis pêcheur. Et que, bon, s'il y a une chose dans laquelle je puis encore me défendre, c'est une sorte d'habileté gestuelle. Voilà. Et un petit peu instinctive. Vous sculptez depuis longtemps ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'étais tailleur de pierre, j'étais ouvrier. J'ai fait la pêche aussi au thon. J'ai vu les côtes d'Afrique, la mer phosphorescente. Ça m'a enchanté. Et après, j'ai fait un CAP de taille de pierre. Et j'ai eu à peine mon CAP, mais je l'ai eu quand même. Hein. Et après, j'ai travaillé, j'étais un peu fier d'être un ouvrier, de ne pas trop décevoir. Oui, mais là, ce n'est pas un travail d'ouvrier, en fait, c'est un travail de création. D'où vous vient cette création? C'est en chacun, ça. C'est en chacun. Mais je désirais faire... J'aime la beauté. Voilà, j'aime la beauté. Et donc, je fuis les artifices, j'aime les bêtes sauvages, les torrents, la montagne et la forêt. Voilà. Et je passe d'une saison à l'autre. Quand je puis, si j'ai assez d'argent, je m'en vais en Irlande. Je pêche des truites de mer, je pêche des saumons. Je mets un casier à l'eau, j'attrape des homards. Et je regarde en même temps toutes les beautés, les falaises, les rivages. J'ai une barque que je mets sur le toit de ma voiture et avec laquelle, à la rame, je pêche. Voilà. Et vous dessinez? Je dessine. Quand je pars en Irlande, je prends avec moi des carnets de croquis. Je m'en suis jamais servi. Parce que je suis dans l'action de la pêche, de regarder, de chercher les girolles. Mais après, oui, ça me prend. Je n'ai pas forcément... Quand vous êtes rechargé en beauté, en action, en vie, pas déçu, alors c'est possible. Oui, tout vient. Voilà. Si on me fait confiance, je fais des belles choses. Si on me fait confiance. Mais les marques de confiance, elles sont rares. De quel artiste vous sentez-vous le plus proche? De quel sculpteur ou peintre? Alors le sculpteur que j'aime, c'est Henri Moore. J'adore Henri Moore. C'est une merveille. À Nantes, il y a eu une exposition, il y avait Henri Moore. Et il y avait, dans une pierre grise, comme du ciment, de Cumberland, il y avait une statue, un homme, une femme, un enfant, ça s'appelle la famille. C'était magnifique, parce que c'était pas un tel par le détail, chercher de la psychologie du visage, non. C'était puissant et fort, c'était magnifique. Il n'y avait pas de détail, mais c'était merveilleusement beau, calme et puissant. Bon, alors là, c'est un moulin ou un astre, qui est avec des projections, des gouttes d'eau, des étincelles cosmiques. Après, là, voilà un oiseau. C'est un oiseau. Là-bas, il y a un autre oiseau un peu en triangle, comme ça, barré d'une aile. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Après, l'eau du moulin descend. Il y a l'écume, les traces d'écume blanches. Et ça passe sous un pont, comme un pont romain, c'est-à-dire avec un module. Voilà, c'est fait de petits carrés. Et ce pont, c'est aussi un calamar. On voit les tentacules du calamar. La rivière touche un désert, c'est le Sahara. Dans ce Sahara, eh bien, il y a des chameaux qu'on voit vu de haut, avec leurs bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, après, l'eau se subdivise, ce sont les tributaires, ça rentre dans un étang. L'eau doit être acide parce qu'elle s'est entourée de bruyère. Dans l'étang, il y a la voie d'un bateau, il y a l'aile d'un ange, il y a
Il y a des, peut-être comme des formes circulaires, bon, des, je ne sais pas, des diatomées, bon, toutes sortes de choses. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à droite, ce sont des triangles avec un arbre, mais l'arbre, c'est l'instrument qui donne le la. Dans cet instrument, il y a un œuf d'or. À gauche, il y a la palette, il y a la palette d'un peintre, ou c'est un nid. Alors, il y a un deuxième étang qui prolonge le premier. Dedans, il y a un filet d'arlequin avec un poisson blanc barré de bleu. Là, c'est la tête d'un cerf, voilà, avec ses bois. Après, qu'est-ce qu'il y a de bon? Un triangle d'or, voilà. Ça, c'est un sapin, un conifère, voilà. Et puis là, les cornes d'or du monde animal. Là, c'est une grenouille avec trois parapluies. Et puis voilà. Bonjour Guy Tony, maintenant, oui, madame. Vous allez parler de ce que vous avez fait, de toutes vos réalisations, parce que les gens ne les connaissent pas. Vu votre timidité, votre humilité, personne ne sait ce que vous faites. Non. Parlez-nous de vos projets passés et de ce que vous allez faire. La première chose que j'ai faite, c'est en vacances, il y avait un homme, c'était un vieux russe, avec un visage qui m'a paru très intéressant. Il avait été blessé à Salonique, il avait épousé je ne sais combien de femmes en France. Et puis, cet homme réparait, je pense qu'il travaillait au Batignolles, mais comme pontonnier, à la fin, avant il avait fait l'habit du préfet de l'Atlantique, il était couturier, enfin vous voyez. Et cet homme était intéressant, il avait des pommettes très hautes, comme les gens des steppes, ils ont des pommettes très hautes, mm-hmm. avec des yeux très enfoncés, enfin, pour le protéger du vent, de la steppe. Où est-ce qu'on Donc, peut le voir il est chez moi, c'est la première chose que j'ai fait. Ouais. Je l'ai fait en vacances en Espagne. J'avais piqué une pierre dans la carrière de Salamanque et je l'ai fait en vacances sur une plage. La première chose, mm-hmm. avec ça, ils m'ont filé un premier prix de sculpture. Eh bien, vous dites donc. Alors, aux Sorinières, hein, c'était pas un gros truc. Mais après, la municipalité m'a demandé de faire une porte sud. Donc, j'ai pris une pierre du sud. Il y avait 30 tonnes de pierres, c'était des vraies patates. On a tout taillé avec des taillants, on n'avait plus de muscles tellement c'était dur. On a mis 8 mois et demi avec un type génial qui était méticuleux, un sacré tailleur de pierres, et on a fait ça. Et les mascarons dans la ville de Nantes, vous en avez fait combien? J'ai travaillé à rafistoler, à revigorer des choses dans les immeubles de la ville. Bon. Mais il faut déjà arriver à le faire. Donc ça m'a appris. Ça m'a appris, ça. Et le cadran solaire de la place de la Bourse? Oui, ben, je fais ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Je fais le 2 place de la Bourse. C'était un beau chantier, puisque oui. Tout était recréé à neuf. Et donc j'ai mis... Il y a 5 têtes au deuxième étage. Il y a un homme d'Afrique et une femme d'Afrique. Et j'ai fait en sorte qu'après l'esclavage, ben c'est la vie qui triomphe. Donc, ils ont l'air sévères, mais pas à la peine. C'est pas comme des esclaves. Et vos projets, là, les prochains, donc, c'est pour bientôt? Oui, j'en ai fait d'autres, voilà. J'en ai fait d'autres pour la rue Contrescarpe, 5 autres. Ils étaient lourds à porter. Dans la tête. C'est fait. Non. Ben non, c'est un plaisir quand vous avez à vous donner un peu de peine, à imaginer les choses. Ça, j'ai pas de peine à imaginer, mais j'étais nul à l'école. Malgré un père instituteur, j'étais vraiment nul. Voilà qui va rassurer les parents. J'aimais l'école buissonnière. Bon, et vos projets, donc, après les mascarons, des projets d'exposition? Non, pas d'exposition. Et le Jardin des Arts? Ah oui, au Jardin des Arts, oui, parce qu'on m'y accueille de façon charmante, voilà. Puisque c'est tombé comme ça. Bien. Voilà. Alors, ce qu'il vous faut, c'est qu'on s'intéresse un peu à vos sculptures, qu'on vous en achète, pour pouvoir aller pêcher le saumon, pour pouvoir voyager un petit peu.
je n'ai pas besoin de paire de chaussures supplémentaires, j'en ai qu'une paire de chaussures, ça me suffit amplement. J'ai besoin de toujours être étonné, émerveillé, et puis voilà. Mais écoutez, c'est vous qui nous étonnez. C'est vous qui nous étonnez. Ah bon ? Merci, Jean-Guy Tony. Merci beaucoup. Merci, madame. Ça y est. Personne ne m'a traité comme ça. Parce que j'ai eu carte libre. Parce qu'il avait, quand je l'ai rencontré, il avait un projet pour faire une mosaïque. C'était Opio qui faisait ça à Nice. Et c'était un palmier et un lagon. Un lagon et un palmier. Mais je lui ai dit, d'accord, c'est pas mal, mais ça va générer l'ennui d'avoir ça. Parce que même que vous avez un poster du plus beau torrent d'Autriche, à force de voir ce torrent, c'est désolant, ça va vous ennuyer. Et moi, je lui ai promis, je vais te faire un dessin et tu ne t'ennuieras jamais avec. Voilà, c'est ça que j'ai promis. Moi, j'ai un village de palmiers et puis du sable et puis je m'en fous avec ça. Et il fallait une pin-up aussi. Il m'a dit, tu mets une femme. Il avait une idée en plus. Eh ben non, il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu ça. Non, il faut aller à une autre place. Bon, alors ça, c'est la nuit. La nuit qui rentre dans la forêt et la lumière qui s'échappe. Elle s'échappe comme ça. Ça s'appelle lucarne en forêt. Lucarne, c'est l'insecte qui est là-haut, avec ses deux, c'est pas des mâchoires, mais ses deux pinces, là. Ça vit sous l'écorce des chênes. Mais c'est transformé, vous voyez, le petit liseré blanc, là, qui file, ça se transforme en cerf-volant. C'est comme un cerf-volant. Ça, c'est un astre. C'est un astre. Voilà. Les arbres. Alors, il y a plusieurs arbres. La première courbe, premier arbre, enfin, c'est une branche. Là, il y a l'arbre comme ça. Deuxième courbe, un autre arbre. Ils sont subdivisés comme ça, avec les branches comme ça. Ça a été taillé par Gérard Vande, qui est prothésiste dentaire, qui a des outils très fins. Et il a coupé le verre comme ça. Il a fait le départ de la branche. C'est magnifique. Et la troisième courbe, c'est l'oiseau. Voilà, il est rougeoyant, il rutile parce qu'il est encore dans la lumière. Voilà, c'est comme ça. Et alors ça, ça peut être une flûte ou une portée musicale, mais c'est, vous savez, quand les saules tombent au bord des rivières, comme ça, il surgit des gîtes qui sont un peu à la perpendiculaire. Et ça fait une portée de musique. Alors c'est comme un arbre tombé, il y a des gîtes comme ça, mais ça fait une portée de musique. Alors là c'est pareil, c'est des gilets comme ça, de choses tombées. Là c'est un pic, là. Là c'est un pic, vous voyez, là. C'est un pic. Là c'est une biche bleue, elle est bleue, mais c'est son cordon ombilical qui la relie à l'arbre. Et l'arbre fait la balancelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça c'est... Ah oui, les girolles sont là. Ah bah quand même. Pour pousser. Bon, les girolles sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des formes de lune. Ça, c'est un lièvre qui est perforé parce que la nuit, il y a beaucoup de massacres en sourdine, en secret. Les gens, les uns dévorent les autres. Bon, c'est la vie. Là, c'est aussi un lièvre comme ça. Là, il y a comme une petite balancelle, un conifère, bien qu'il soit bien droit, comme un gendarme, là, comme bien dans ses bottes, comme on dit. Bon, là, mais il reste bien droit. Là, c'est la petite porte de l'entrée de la forêt. Et voilà, bon, ça semble animé, voilà, c'est tout. Ton radis volant aussi là-haut. Ah, comment ? Le radis. Un radis volant ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas un radis, non, je crois pas. Non, c'était un... Je sais pas ce que c'est. L'insecte. C'est un insecte, c'est un radis volant. C'était un cerf-volant. Mais non, c'est pas un projectile. Non, il n'y a pas eu de bagarre, je crois pas. Oh mon Dieu. Bon, ça y est. Hein. Et ça donne de la spiritualité, ces paupières-là. Vous voyez ce galbe-là? Oui, c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça fait très beau, ça. Et ben, je lui ai fait une belle paupière, mais en pensant un peu à Gainsbourg, parce qu'il avait ces paupières-là, c'était drôle. Hein, et là, vous voyez, il est tout dans la douceur. Donc, il est facile de prendre une masse et péter ça, parce que c'est inadmissible. C'était un baromètre à la bêtise. C'était sur un rond-point, c'était un baromètre. Ben, il a implosé. Hein. Il y a des salopards
qui sont capables de tout avec les êtres humains, mais même une statue, on la broie. Parce qu'il y avait beaucoup de paix. L'enfant, regardez l'enfant, il est au calme parce que le père est musicien, il joue la musique, c'est son père, et en plus, il gaze, il est bon. Vous voyez ? Alors, il a fallu tout casser, toutes les mains étaient broyées. Celle-là, là, je l'ai réparée, celle-là, parce que je l'ai réparée une fois. J'ai fait exprès de mettre une masse, une vraie prothèse. Sur l'autre, vous voyez, il y a les veines, on voit toutes les veines. Et sur l'autre, eh ben, j'ai fait une prothèse exprès. Et ils sont revenus, ils ont tout repété. Mais ça m'a dégoûté. Hein. Ça m'a dégoûté. C'était la première chose que je faisais. Je passais des choses d'un ouvrier à faire ça. Et c'était inadmissible pour certains. Inadmissible.